Bonsoir à tous, ici Jolas de Boulot, tout de suite les sujets de l'actualité. La nouvelle est tombée ce matin, une météorite serait en approche sur la ville de Tilted Tower. Cette dernière a totalement retourné tout le YouTube game. Tout de suite des images de notre reporter qui s'est rendu sur place, un reportage à glacer le sang. Elle est où cette météorite? Ah ouais, elle est là. Alors c'est le sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Une météorite sur Fortnite serait prête à s'écraser sur la ville de Tilted Tower. C'est où Tilted Tower? J'en ai absolument aucune idée mon vieux. On va sauter là, allez vas-y. On les déouffe. Aujourd'hui, les gens, on va tenter de répondre à une question. Y a-t-il un glitch pour monter sur cette météorite? Eh ouais, les gars, on est sur l'actualité, ne vous inquiétez même pas. Je l'ai toujours sur le coup dans l'actualité. Oh putain. Lui, hop, je me barre de là, mon vieux. Je vais me faire déchirer en deux secondes. Je vais rien comprendre de ce qui va m'arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper en bois et tout. Et je vais vous montrer le glitch pour monter sur la météorite. Vous allez voir. Attendez, à piège. Ça, je prends. Faut toujours prendre des pièges pour monter sur la météorite. On sait jamais ce qui peut se passer. Va savoir qui c'est qu'on peut croiser là-haut. On sait pas. L'univers est grand. On se casse, les gars. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, pour monter sur la météorite, les gens, c'est que on va prendre ce flingue. Voilà. Et on va prendre du bois. On va se mettre bien. On va faire 2-3 kills si possible. Alors, bien entendu, déjà, bonsoir à tous. Je vous ai même pas dit bonsoir. Salut, mais où est donc passée la politesse? Si toutefois il y a des gens qui me découvraient avec cette vidéo, ce qui est tout à fait possible, on ne sait jamais, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et si vous kiffez, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. On est presque 300 000 sur la chaîne. Aidez-moi les gens à atteindre les 300 000 abonnés. On y est presque. Et ça, c'est grâce à vous. On est une communauté. On avance ensemble. Vous et moi, je suis sûr qu'on peut arriver à 300 000 abonnés. Franchement, ce serait un truc de malade. C'est quoi ça? Déposer de la pierre? Hein? What? Excellent. Je me casse de là. Allez, vas-y. Bon, elle est où cette météorite là? Ah, elle est là. Regardez. Ouais, si on suit la trajectoire là, elle va s'écraser quelque part par ici. Alors, c'est la grande nouvelle qui affole la toile en ce moment. Oui, une météorite serait prête à s'écraser sur la ville de Tilted Tower. Déjà, mon vieux, pour commencer, j'ai absolument aucune idée où ce. Ah, bah, il se trouve là. Voilà. On va aller faire notre petite investigation. Et n'oubliez pas, les gens, je compte sur vous. Si vous kiffez ce que vous voyez, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo. Et bien entendu, n'oubliez pas le petit lien G2A. Vous n'y trouverez certainement pas Fortnite puisqu'il est gratuit, mais bien d'autres jeux. Je vous propose pas un petit coca? Il y en a presque plus. La tempête se rétrécit. Ok, nous on est dans la zone, hein. Donc, ouais, yes, on est dans la zone. On est à côté de Tilted Tower, tranquille. Donc, nous aujourd'hui, bien sûr, on se concentre sur cette météorite. On est là pour trouver le glitch pour monter dessus. Vous inquiétez pas, ça va se faire. On va s'équiper bien gentiment. On va même. Bon, on va détruire les cabanes de toute façon, hein. Voilà, on aura plus besoin de ça une fois qu'on sera là-haut dans l'espace. Attendez. Par contre, je vais échanger ça. Voilà, ça me plaît un peu mieux, vous voyez. On est pas trop mal, là. Bon, là, 380. Assiette de bois, c'est pas assez. Il nous en faut plus. Beaucoup plus. Regardez, là, il y a pas mal de bois ici. Ouais, on va se mettre tellement bien. Je sens qu'on va se mettre pas trop mal par ici, les gens. On va ramasser masse de bois. Voilà. D'après vous, il va falloir combien de bois pour monter sur la météorite? Non, parce que je compte bien y aller, hein, mon vieux. Ah, je suis une tête brûlée, moi. Quand j'ai une idée en tête, on me la retire pas. On va y aller. Si on se fait pas plomber les fesses avant, bien entendu. Hein. Ce qui est en soi tout à fait possible. Oh là! Gros, laisse-moi aller sur la météorite! Je te veux pas de mal! Elle déconne, ma souris, elle a déconné, putain! Vas-y, laisse-moi aller sur la météorite, là. Fais pas chier, putain. Attends, il est relou, quoi. Oh, putain. Oh, gros, non, ma météorite, putain. Il a bien joué. Il a bien joué. Restons, hein. La date du crash de la météorite. 5 choses qui pourraient arriver si la météorite frappait Tilted Tower. Arrête tes conneries, jure. Sérieux? C'est pas vrai. L'une des théories populaires évoque l'arrivée d'Alien avec la météorite. Arrête tes conneries. La saison 3 a pour thème les astronautes et les voyages spatiaux. Ces thèmes sont chronologiques et pourraient suggérer l'arrivée d'extraterrestres. Une nouveauté qui pourrait amener une multitude de skins et des modifications d'armes. Ah ouais, putain, on pourrait avoir des ruines et tout. Excellent, trop fort. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le sujet, on va pouvoir rentrer un petit peu plus en profondeur. Alors regardez, lui, il est déjà parti vers la météorite. Alors comme ça, il y a des aliens qui veulent se poser. Ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va spawner dans la forêt juste là-bas, là. Comme ça, on va se faire masse de bois et on va pouvoir aller direction la météorite. Vous voyez? Putain, si je pouvais aller là-bas sur une petite île, là, je serais tellement tranquille. Le problème, c'est que tu es sûr que je veux pas être le seul à spawner là-bas. Ils veulent tous aller sur la météorite, les petits salauds. Ah non, ils vont tous là-bas. Eh bah tant mieux, il y a personne qui me fera chier. Allez, vas-y, je décolle. Nous aujourd'hui, opération direction l'espace. Toujours règle numéro 1, regardez s'il y a personne aux alentours. Ah, ça va, on a l'air d'être safe. Ça a l'air d'être tranquille. Oh putain, il y a un gars qui arrive. Oh, y'a un gars qui arrive. Oh, je le vois. Il le sait que je suis là en plus, hein. Il le sait. Vas-y, bouge pas. J'arrive. Il est où? 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 Où est-ce qu'il est? Oh, le bâtard! Vas-y, ramène-toi. Ramène-toi. Il est où? Il est où? Bye bye, baby! Recharge! Oh,
suis tellement mauvais. Oh, toi, tu vas vers la météorite. Ça se voit direct. Oh, l'enfoiré, où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Je suis là aussi, je suis là. Oh, putain. Oh, le délire. Vas-y, vas-y. Vas-y, file-moi les grenades. Attrapez ça, les gars. Ça vous fera les pattes 2 minutes, je pense. Oh putain, j'ai un flingue, j'ai un flingue. Vas-y les gars, je vous veux pas de mal, je veux juste aller voir la météorite. Il m'a vu. Va y avoir du grabuge. Oh salaud, GG. GG, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué, bien joué. Bien joué. Enfoiré, va. Attendez, je gâte s'il n'y a pas une bonne arme là. Vas-y, hein, je vois un pompe là, ça me plaît. Hein. Allez, hop, vas-y, vas-y, je vais prendre tout de suite ça. Vas-y, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est. Il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Je me casse! Il m'a vu ou pas? Oh! Putain, il est en bas, il est en bas. Il arrive! Ah, il est derrière! Il était derrière. Je voulais juste voir la météorite. Je voulais juste voir la météorite. Peut pas me laisser tranquille 2 minutes, non? Pour voir cette météorite? Tiens, bien fait. Allez, ça c'est le karma. GG, GG, gros, GG. Attendez, attendez, il y en a un autre qui veut venir. Putain, il y en a un autre qui veut venir. Je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul. On n'est pas tout seul. Oh putain, ah, il va me faire chier lui. Lui, il va m'emmerder, hein. Il va tellement me faire chier lui. Vas-y, vas-y gros, vas-y, va dans la maison. Moi je vais prendre le pompe, tu vas voir. Vas-y, attendez, attendez. On va se débarrasser de lui en 2 secondes, vous allez voir. Il va rien comprendre à ce qui va lui arriver. Regardez, regardez. Chut, 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 chut. Chut, 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 chut. Kiki, kiki. Chut. Il est là, il est là. Il est là. Il va arriver. Il va arriver. Il est dans la maison? Il est où le salaud? Oh putain, il est là. Chut, chut. Chut, 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 chut. Kiki, kiki. Je t'avais dit, mon vieux, que je te retrouverai. Ah bah, je fais pas semblant, moi. Oh là là, on est en train de se mettre tellement bien, putain. Il doit être tellement dégoûté. Potion et tout, mon vieux. On va aller à la météorite. On va y aller, les gens, là. Je m'équipe, tranquille, et puis je prends un sniper, toujours. Un petit sniper pour aller sur la météorite. C'est écoutez. En plus, il a déjà commencé à construire les escaliers, ce con, mon vieux. Il est en train de me mâcher le travail. Chut, trousse de soins, ça je prends ça. Hein. Bon les gens, opération météorite, c'est parti. On va se faire un petit stuff en bois tranquillement. Ça va, on est dans la zone, c'est bon, tranquille. On est dans la zone. Voilà, on va se mettre bien en bois. Ce que je vous propose de faire, c'est d'absolument tout déforester. Histoire d'avoir masse de bois pour aller voyager dans l'espace. On ne voyage pas dans l'espace sans bois, c'est bien connu. A votre avis, combien de bois va nous falloir pour tenter ce glitch et aller sur la météorite? La zone se rétrécit tellement vite. Ah bah nickel, je suis plein. À nous deux, la météorite. Vas-y, j'arrive. On va rectifier le tir. Je pense qu'on va partir. Voilà, on va partir de par là. Ouais, là, ouais, 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 ouais. Là, on est pas mal, hein. Voilà, comme ça. Là, on est pas mal. Franchement, on est dans l'axe, tranquille. Attendez. Parce qu'il faut pas que... Voilà. Allez, c'est parti. Let's go vers la météorite. Ça y est, on est parti. En espérant que la tempête va pas trop nous faire chier. Oh là là. Vous croyez qu'on va avoir assez de bois? Moi, j'y crois, franchement. J'ai foi en mon glitch. Je suis sûr qu'on va y arriver. Par contre, on se rapproche dangereusement de la tempête, là, mais c'est un truc de fou. On est... Oh, oh non. Oh non. Je pouvais plus construire. Non. Oh. Oh, je pouvais plus construire. Mais c'est quoi ce délire? Il va à la météorite, lui? Tu vas à la météorite? Non. Alors, c'est donc ici que tout va se passer? Oh, putain. Oh, les salauds. Oh, les salauds. Mais il y a carrément trop de monde là-dedans, quoi. Non, non, laisse mon pompe. Laisse mon pompe. C'est moi qui l'ai vu. Putain, je l'avais vu. Oh, oh, mais l'enfoiré, mais... Vas-y, les gars, quoi, putain. Oh, ils ont tout niqué, quoi. Oh, quoi qu'attendez, il y a une arme, là. Ouais, c'est pas trop mal, ça va, c'est correct, hein. Je m'en sors bien, je m'en sors bien, j'ai un pompe. Bon, on va tenter de trouver des indices par ici. Salut, toi. Ça. GG.
Non, GG, il a bien joué, il a bien joué, il a bien joué. Il a bien joué. Bon les gens, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je crois qu'on a une réponse à notre question. Y a-t-il un glitch pour aller sur la météorite de Fortnite? La réponse est clairement non. En tout cas, s'il y en a, je l'ai pas trouvé. C'est possible qu'il y en ait un. En tout cas les gens, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Gling 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 gling. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye.